on va voir une détermination pratique de la capacité d'un condensateur. Charge d'un condensateur par un générateur de courant constant. Détermination de la capacité. On va donner l'énoncé suivant et tu vas essayer de résoudre l'exercice avant de suivre le corriger. On dispose d'un condensateur de capacité C. On se propose de le charger à l'aide d'un générateur de courant constant I égale 1 mA. On mesure en fonction du temps la différence de potentiel U aux bornes du condensateur et on obtient les valeurs consignées dans le tableau de mesure suivant. On a ici le tableau de mesure où on a relevé les valeurs de la tension du condensateur en fonction du temps. Ici, le pas est de 1 seconde. On te demande de tracer le graphe U égale FDT, ensuite de tirer les conclusions qui s'imposent. Les échelles qu'il faudra prendre pour le tracé du graphe, c'est 1 cm pour 20 millisecondes en axis et 1 cm pour 1 volt en ordonnée. B. Petit b, en déduire l'expression de la tension U en fonction du temps T. Ensuite, tu détermines la capacité du condensateur. Le montage qui a permis de réaliser ces mesures est le suivant. Nous avons ici un générateur de courant constant, donc un générateur qui délivre une intensité constante, un condensateur, un résistor. Nous avons ici mis à la masse un interrupteur, l'une des bornes de l'interrupteur, l'autre borne étant reliée au condensateur. Donc on peut court-circuiter le condensateur pour faire sa décharge. Ceci permet à chaque mesure de décharger le condensateur pour la mesure suivante. Et nous avons ici le voltmètre permettant de lire la tension du condensateur. On peut remarquer ici que le pas est très bref, un pas d'une seconde, 0, 1, 2, 3, etc. Ce qui veut dire qu'on a utilisé ici un système d'acquisition, un ordinateur avec acquisition pour réaliser ce tableau de mesure. Essaie maintenant de résoudre cet exercice dans la suite. Tu pourras suivre le corrigé qui t'est proposé afin de faire la comparaison. Afin de faire la comparaison de tes résultats avec le corrigé. Comme conseiller, j'espère que tu as essayé de faire l'exercice. Maintenant, tu peux suivre le corrigé et comparer avec ce que tu as fait. Nous allons commencer par rappeler que c'est la charge d'un condensateur à courant constant et nous avons pris une intensité I égale 1 milliampère. Avec un dispositif d'acquisition, on a obtenu ce tableau de mesure. Avec ce tableau de mesure, comment peut-on faire pour trouver une relation entre la tension U du courant et le temps? Il y a plusieurs méthodes. Mais là, nous choisirons de tracer la courbe U égale F2, F de T. Pour cela, nous consultons les données du tableau. Et nous avons déjà tracé ici les axes U en volts et T en secondes. Pour T égale 0, on a 0.
Le seul qu'on va utiliser, 1 cm pour une seconde, 1 cm pour un volt. Pour la deuxième valeur, pour une seconde, nous avons 0,45 volts, ce qui correspond à 0,45 cm. Voici le point correspondant. Pour deux secondes, nous avons 0,91 volts, ce qui correspond à 0,91 cm. Pour 3 secondes, nous avons 1,36 volts, correspondant à 1,36 cm. 1,3, 1,35. Nous avons ici le point. Pour 4 secondes, nous avons 1,82 volts, donc 1,82 volts, 1,8, nous pouvons marquer le point. Et ainsi de suite pour 5. Nous avons 2,27. Pour 6, 2,73. Pour 7, 3,18. Pour 8, on a 3,64. 9, 4,09. Et enfin, le dernier point pour 10, nous avons 4,55. Observe ces points. Quelle allure de courbe s'en donne? Nous pouvons voir que ça donne une allure de droite. Traçons la droite passant par le maximum de points et par l'origine. Voilà. Nous constatons que le graphe U égale F de T est une droite passant par l'origine. Quelle conclusion peut-on tirer de ça? Oui, U est alors proportionnel au temps. Nous pouvons écrire U égale A fois T. Où A est le coefficient directeur aux pentes de la droite. Nous pouvons alors déterminer A avec A égale delta de U sur delta de T. Pour déterminer la pente de la droite, nous allons déterminer la tangente
de l'angle que fait cette droite avec l'horizontale. Pour cela, nous allons tracer la verticale à ce point pour avoir un triangle rectangle où notre droite passe par l'hypoténuse. Alors, la tangente de l'angle à l'horizontale que l'on vient de définir est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Ce qui nous donne A égale delta de U, le côté opposé. On mesure alors cette longueur. Ça donne combien? On a 1, 2, 3, 4, 4,6 cm qu'il faut convertir en volts, puisque 1 cm c'est 1 volt, alors 4,6 nous donne 4,6 volts. On va diviser par le côté adjacent et on constate ici que le côté adjacent tombe sur ce point. Ce qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, nous avons ici sur 10 multiplié par 1 seconde, ça nous donne 10 secondes. Ceci donne 0,46. La valeur de la pente du coefficient directeur est alors A égale 0,46 volts par seconde, puisque delta de U est en volt, delta T en seconde. Une fois qu'on a obtenu la pente de la droite, nous pouvons alors continuer l'exploitation pour aboutir à notre objectif, c'est-à-dire déterminer la capacité du condensateur. Pour cela, nous savons que I égale Q sur T. Or, Q égale C fois U, C étant la capacité du condensateur. En remplaçant dans notre relation, nous aurons alors I égale Q sur T égale alors Cu sur T. Or, on sait d'après cette relation que I égale AT. Nous pouvons alors remplacer U par son expression, ce qui nous donne C fois A fois T sur T. Et nous voyons que le T se simplifie. Et nous avons I égale C fois A. Nous pouvons alors écrire l'expression ici. I égale C fois A. De cette relation, nous pouvons alors tirer la capacité du condensateur. C égale I sur A. En application numérique, cela nous donne C égale I. Nous avons dit que I égale 1 milliampère en unité internationale. Donc nous avons 1, 10 moins 3 sur A. A, on a trouvé 0,46. Le calcul donne C égale 2,17, 10 puissance moins 3,
Quelle est l'unité de la capacité? Le farad. Mais comme nous le savons, le farad étant une unité très grande, on utilise souvent, comme on l'avait dit plus haut, ses sous-multiples, tels que le microfarad, le nanofarad, etc. À microfarad, cela donne alors C égale 2170 microfarad. Voilà donc déterminer la capacité du condensateur. C égale 2170 microfarad. Puisque nous savons que 1 microfarad égale 10 puissance moins 6 farad. On a réalisé la charge du condensateur avec un générateur de courant constant. Et cela nous a permis de déterminer la capacité du condensateur. Nous allons voir dans la suite la charge et la décharge d'un condensateur par un échelon de tension. Charge à tension constante et décharge d'un condensateur. Et nous allons commencer par la charge.